Bonjour à tous. Alors, on se rejoint aujourd'hui pour faire la première partie de notre examen de création monétaire. Alors, je vous explique un peu ça, comment on va participer, comment on va faire ça, excusez-moi. Dans le principe de création monétaire, on va y aller progressivement. En fait, dans un premier temps, cette première vidéo, ce sera de la création monétaire comme si j'avais une seule banque, une banque unique, d'accord? Ensuite, on regardera avec plusieurs banques, d'accord? Parce que et on verra qu'en fait à chaque fois on rajoute des conditions. Et enfin, on verra un modèle avec plusieurs banques et une banque centrale, d'accord? Voilà, c'est le modèle qui correspond à ce que l'on vit actuellement. Mais donc là, on va vraiment commencer étape par étape et l'idée c'est d'aller de faire ça doucement pour que vous compreniez bien les choses. On va commencer du coup avec un modèle avec une seule banque. Donc, dans notre système monétaire moderne, hein, le pouvoir de création est confié à une institution qu'on appelle la banque. D'accord? Dans un premier temps, imaginons qu'il n'y a qu'une seule banque. Une banque qu'on va appeler la banque A. D'accord? Du coup, si c'est la seule banque, bah forcément, c'est elle qui va détenir tous les dépôts de l'économie et c'est elle qui va émettre toute la monnaie dans l'économie. Donc en fait, toute la monnaie, ce qu'on appelle la masse monétaire, va provenir de cette banque. Du coup, à chaque fois que ma banque A va monétiser une créance, c'est-à-dire qu'elle transforme une créance non monétaire en créance monétaire, elle va du coup augmenter la masse monétaire dans mon économie. En fait, c'est ce qu'on va voir au travers d'un exemple. Et cet exemple, c'est une entreprise de plomberie qui veut acheter des véhicules. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est que on va refaire pour expliquer étape par étape ce tableau-là. Donc je vais pour ça en fait devoir utiliser hop, un petit tableau blanc, d'accord? Parce que ça va être plus pratique pour vous montrer les différentes étapes. Donc, nous disons. Je vais le faire, je vais essayer de le faire progressivement, c'est-à-dire d'avoir en bas ici la première situation et rajouter les autres situations. Mais je pense que non, je vais commencer là. Donc là, on est dans une situation, en fait, et je l'ai fait en rouge, modèle avec une seule banque. Hop là, je vois qu'il y a un petit souci de. C'est un souci de lumière, excusez-moi. Tac, je pense comme ça. Ouais, c'est bon. Modèle avec une seule banque. Donc, je reprends, d'accord? Dans notre exemple, nous allons avoir une entreprise de plomberie. Donc, entreprise de plomberie. Et commence à vous habituer au terme. En fait, on va l'appeler ANF1. ANF1, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que c'est un agent non financier. D'accord? Alors, agent non financier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a pas cette capacité de création monétaire, lui. ANF1. Et donc, ANF1 souhaite acheter deux véhicules, je le marque ici, deux voitures, ou enfin, on ne sait pas si c'est des voitures, à 500 000 euros. D'accord? Une. D'accord? Donc, ça, il a besoin de 100 000 euros. On suppose, comme c'est marqué, que cet agent a un besoin de financement total, c'est-à-dire qu'il ne dispose pas,
mon entreprise de plomberie d'une capacité de financement. S'il avait une capacité de financement, par exemple, de 20 000, il aurait un besoin de financement uniquement de 80 000. Là, c'est un besoin de financement qui est de 100 000 directement. D'accord? Donc, mon entreprise de plomberie va donc s'adresser à la banque, à sa banque. D'accord? De toute façon, ici, quand je dis sa banque, on n'en a qu'une seule. D'accord? Pour demander un crédit de 100 000 euros. Donc, ici, ça va être ma banque A. Donc, ma banque A, elle, c'est un agent financier. Donc, ici, on est dans une seule banque avec une entreprise qui va demander un crédit à la banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, mon entreprise va voir la banque A, va déposer un dossier, et ma banque A va étudier la solvabilité de ce dossier. Elle fait un examen du dossier. Est-ce que cette entreprise de plomberie est solvable? C'est-à-dire, est-ce que elle a une capacité à rembourser ses dettes ou pas du tout? Est-ce que le projet d'investissement est intéressant par rapport au niveau total de son endettement? Dans notre cas, ici, ma banque accepte. La banque A va accepter le projet de financement. Excusez-moi, la demande de crédit. Du coup, ma banque A va monétiser la créance qu'elle détient sur mon entreprise de plomberie. Ça veut dire qu'elle va créditer le compte courant 200 000 euros sans pour autant puiser dans les sous d'un autre client, d'accord? On est dans le cas typique d'une création monétaire ex nihilo. Donc là, on est dans le cas, et on le sera toujours hein, dans les exemples qu'on va voir, création monétaire ex nihilo. D'accord? Très important, ex nihilo, ce qui nous différencie de ce qu'on avait vu précédemment, si vous vous souvenez. D'accord? Alors, comment, du coup, comment est-ce qu'on va... C'est pas, la banque va pas dire, hop, c'est bon, j'ai monétisé. Il va y avoir des contreparties. D'accord? Alors, quelles sont ces contreparties? Donc, on fait toujours, je demande de faire toujours, hop, on fera toujours, quand on fera nos tableaux, hein, on aura toujours un actif. Alors, l'actif, d'accord, c'est ce que possèdent mes individus dans le compte. Et un passif. Passif, en gros, c'est ce qu'ils doivent. Et pareil pour mon agent non financier actif et passif. Alors, comment concrètement on note cette... comment on note? Donc, on est d'accord que mon agent non financier 1 a envoyé son dossier à la banque. La banque accepte. Il y a donc création monétaire ex nihilo par la monétisation de la créance. Je vous rappelle juste que du coup, dans notre exemple ici, ici on aura le créancier, hein, et ici ce sera le débiteur. Donc en gros, lui doit des sous, d'accord? Doit des sous au créancier, et lui, on dira qu'il a une créance.
D'accord? C'est son créancier, donc il doit récupérer des sous. Ok? Alors, comment ça va s'inscrire? Bah, tout simplement, il faut se demander ce que possède chacun. Ma banque A, du coup, elle possède, elle détient à son actif la créance qu'elle a sur mon agent non financier 1. Donc, à l'actif de la banque A, on va avoir la créance sur mon agent non financier 1. D'accord? Et cette créance, elle est de... Alors, est-ce que je le fais de couleur? Elle est de 100 000 euros. D'accord? 100 000 euros. Ok. Elle possède donc une créance sur mon agent non financier. Du coup, là, on va le faire de... Si lui, c'est le débiteur, d'accord? Il doit à son passif, d'accord? Il a une dette. Donc, créance sur l'agent non financier. Ici, on aura une dette envers la banque 1 de c'est A, excusez-moi, A de 100 000 euros. Ok? Bon, on peut le comprendre. Je précise une petite chose, je pense que c'est pas une... En fait, normalement, vous faites l'écriture à l'actif et au passif d'un coup, d'accord? À l'actif et au passif d'un coup. Là, pour que vous compreniez, là, j'essaie de le faire en parallèle pour que vous compreniez. Si je possède ma créance, j'ai à mon passif, c'est-à-dire ce que je dois, une dette envers la banque. Ok. Mais du coup, qu'est-ce qu'il possède, lui? Bah, lui, en fait, maintenant, il va posséder les 100 000 euros que ma banque va monétiser. Ma banque monétise la créance, d'accord? C'est-à-dire qu'elle va mettre 100 000 euros à l'actif, donc ce que va posséder, hein, c'est plus 100 000 euros sur mon compte. Ok? Donc on va le noter comme ça. Compte courant. D'accord? 100 000 euros. Compte courant de 100 000 euros. Donc, en possédant ma créance, la banque peut monétiser cette créance et verser sur mon compte courant 100 000 euros. D'accord? Du coup, là on se dit, ouais, y a, alors, quel est, c'est tout? Non, c'est pas tout. On est d'accord que cette création monétaire, elle est ex nihilo, à partir de rien. Néanmoins, la banque va avoir des obligations et aura donc un passif, entre guillemets, ce qu'elle doit, qui peut sortir de... Enfin, voilà, là, comprenez qu'on est dans une écriture comptable, hein, ok? C'est-à-dire qu'elle ne devra rien, entre guillemets, à tel ou tel individu, vu qu'elle crée de la monnaie ex nihilo, à partir de rien. Maintenant, d'un point de vue comptable, d'accord, les règles comptables sont parfois vraiment différentes. D'un point de vue comptable, maintenant, en revanche, elle doit inscrire une contrepartie à la créance qu'elle possède. Et cette contrepartie, à quoi est-elle due? Eh bien, elle est due au fait qu'elle peut, du coup, monétiser la créance et mettre 100 000 euros sur le compte de mon plombier. Quelle est cette contrepartie, en fait? Eh bien, ce qui, pour mon agent non financier, mon entreprise de plomberie, est un actif, d'accord, l'argent qu'elle possède, eh bien, c'est le passif de ma banque A. Donc,
En contrepartie de la créance, la banque a crédité le compte du client d'un même montant. Il faut par conséquent qu'elle honore son engagement et qu'elle permette à mon agent non financier 1 de disposer de cette somme comme moyen de paiement général. Pour la banque A, les 100 000 euros de monnaie émise sont une dette inscrite au passif de son bilan. D'accord? Donc, on va appeler ça dépôt à vue. Donc, dépôt à vue, on est d'accord que c'est ça, hein? Dépôt à vue de 100 000 euros. OK? De son côté, donc l'entreprise de plomberie se trouve aussi engagée dans une relation de créance et de dette vers la banque. Elle dispose d'une créance monétaire d'une part, c'est son crédit bancaire de 100 000 euros, grâce à laquelle elle va pouvoir financer son investissement. Alors donc cette créance est à l'actif de son bilan, étant donné que le compte courant est finan excusez-moi, est crédité de 100 000 euros. Mais d'autre part, elle est endettée dans la mesure où elle devra rembourser le crédit selon les clauses prévues par le contrat. La dette envers la banque est inscrite au passif de son bilan. OK? Alors, on revient donc. Au passage, tout ce que j'ai marqué quand vous avez l'autre vidéo, c'est l'exemple qui est ici, hein. Et vous avez de nouveau l'exemple, mais en fait, l'avantage qu'il y a à le faire en direct, c'est qu'on comprend mieux pourquoi on note ça à tel moment et ça à tel moment. Là, le problème, c'est que ça apparaît, c'est pas, ça apparaît d'un coup. OK? Voilà. Alors. Il faut tirer plusieurs enseignements de cet exemple. Je vais voir si est-ce que ça vaut le coup. Peut-être, voilà, pour que je puisse intervenir. Donc, il faut tirer plusieurs enseignements de cet exemple. Alors, quels sont les enseignements que l'on doit tirer? Donc, premièrement, c'est lorsque le crédit est réalisé que la monnaie va commencer à circuler dans mon économie. On est d'accord qu'avant d'avoir ce crédit-là de 100 000 euros, je n'ai pas d'échange dans mon économie. C'est à partir du moment où j'ai les 100 000 euros de crédit que ma banque, que mon entreprise, excusez-moi, va pouvoir réaliser ses achats, etc., etc. OK? Ensuite, donc les 100 000 euros de créés par la banque, hein, donc elle monétise la créance, sont une avance sur la richesse. Donc, je lis, pour le dire autrement, ils sont une antévalidation des richesses qui seront produites, distribuées et utilisées au cours du cycle de production suivant. Grâce à ces nouvelles unités de capital, mais de voiture, hein, l'entreprise de plomberie peut accroître sa production, excusez-moi, et donc son revenu. Troisième point, pour mon entreprise de plomberie, le crédit bancaire est une ressource qui va impliquer un coût. C'est quoi le coût? C'est le paiement de l'intérêt. Mon entreprise de plomberie doit devoir payer un intérêt à ma banque. Et là, ce qui est important, c'est que lorsque mon entreprise de plomberie va rembourser son crédit, elle va alors détruire à chaque remboursement de la monnaie. D'accord? Donc la création monétaire, ça, c'est lorsqu'on monétise une créance, on a de la création monétaire, d'accord? Et donc le remboursement de la créance,
le remboursement entraîne, entraîne une destruction monétaire. D'accord? Donc, si elle crée de la monnaie ex nihilo à partir de rien, cette monnaie est ensuite détruite, c'est très important, lorsque vous remboursez votre crédit. Ok? Pourquoi? Bah parce qu'en fait, quand elle revient, là ça circule, ok? Hop, j'achète des choses, etc. Mais quand elle revient à la banque, entre guillemets, elle sort de mon système économique, et c'est ce que Thomas Cook appelle la loi du reflux. Il y a un reflux vers la banque au moment de son remboursement. Alors, à l'issue de la période, au bout des 10 ans, par exemple, hein, si c'était un crédit sur 10 ans, au bout des 10 ans, du coup, la masse monétaire, toute la quantité de monnaie que j'ai dans mon économie, s'est contractée, hein, se contracte pour un montant égal au crédit initial. On a fait, là, l'idée, c'est qu'on a fait, du coup, avec ce crédit-là, on a fait grossir ma masse monétaire de 100 000 euros. D'accord ? Bon, bah, au moment où je rembourse à la fin de mes 10 ans, je réduis la masse monétaire, hein, de 100 000 euros. La question des intérêts reste là, d'accord ? Parce que mes intérêts, c'est versé en plus, hein, mais je l'ai fait grossir de 100 000 euros. En la remboursant, je la fais diminuer de 100 000 euros. Je la rétracte de 100 000 euros. Et du coup, évidemment, à la fin de mon crédit, eh bien, là je ne vais pas le faire parce que j'en ai besoin pour la suite, mais tout ça est effacé. La relation de créance et de dette disparaît. Tout comme les écritures. Donc, pour que ma masse monétaire reste constante dans cette économie, il est nécessaire que des monétisations de créances nouvelles compense les flux successifs de destruction de monnaie. Alors, je pense je peux vous le faire maintenant. Il faut que je le fais maintenant. Je serais peut-être amené à en reparler un peu plus tard. Hop. Voilà, ça va. Imaginez. Pour que vous compreniez un petit peu les choses, de façon imagée, on va dire, imaginez que mon économie, c'est une grande baignoire. Ça, c'est mon économie, d'accord ? Ok ? Une économie, une grande baignoire qui, pour avoir une dimension un peu, évolutive, ce serait une grande baignoire qui grandit, d'accord ? Chaque année, elle grandit, cette grande baignoire. Bon. Dans cette grande baignoire, j'ai de l'eau. Hop. Et cette eau, on peut dire que c'est ma masse monétaire. Ok ? L'idée, c'est que ma masse monétaire corresponde aux besoins de mon économie. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce que s'il y en a trop, bah, ça va déborder, d'accord ? Donc là, s'il y en a trop, on serait dans le cas plutôt d'une situation d'inflation. Si j'ai trop d'eau, je suis en situation d'inflation, j'ai trop de monnaie. Et si j'en ai pas assez, ça permet pas à mon économie de grandir. Comment cette eau arrive ? Comme dans la vraie vie, hop, avec un petit robinet, d'accord ? Ça, c'est le robinet de la... Ça, c'est ma création monétaire. Ok ? Donc, c'est mes banques. Mais on va voir que le
donc ça remplit. C'est vrai que cette création monétaire, on va voir que elle est là. Là, on l'a fait avec une seule banque, hein, je vous rappelle. Et du coup, je vais évidemment avoir, je vais avoir ici, tac, la bonde qui permet d'évacuer l'eau. Et ça, c'est ma destruction. Voyez les choses comme ça, c'est-à-dire que ma création monétaire me permet de remplir effectivement ma baignoire, mais à ces flux de création qui sont liés, donc on l'a dit, à des monétisations de créances, d'accord? Eh bien, correspondent des flux de destruction de monnaie qui correspondent au remboursement des crédits. D'accord? Je le marque si vous voulez. Ça, c'est quand j'ai ma monétisation de créances. Et ça, c'est ce qui correspond au remboursement pardon. Excusez-moi. Alors, désolé pour le petit intermède musical. Du coup, oui. Ma monétis je sais plus où j'en étais. La monétisation de créances et le remboursement des créances qui est en fait ma destruction monétaire. D'accord? Alors. Dernier point, en fait, c'est que dans ce système-là, hop, garder, tac, tac. On va se mettre ça. Dans ce taquet. Bon. Hop, désolé, juste le temps, voilà, de revenir. Donc, dans ce système, en fait, si je n'ai qu'une seule banque, un modèle avec une seule banque, en fait, ma banque ici n'a aucune contrainte systémique. Systémique, ça veut dire en termes de système, au pouvoir de, il n'y a aucune contrainte systémique au pouvoir de création monétaire par une banque. Donc, la seule limite. Dans ce cas-là, c'est le fait que les crédits que monétise cette banque A soient remboursés par les entreprises en question. D'accord? C'est la seule limite qu'on a. Du coup, en fait, évidemment, ça pose un problème. Quels sont les problèmes qui sont posés? C'est que dans un tel système, si j'ai une banque unique, qui est un agent privé, d'accord? Mon système n'est pas viable. Pourquoi? Parce que je vais avoir une opposition entre le statut de ma monnaie comme bien collectif, ce qu'on va voir juste après, et je ne peux pas avoir à la fois ma monnaie qui soit un bien collectif et excusez-moi, et que ça réponde à ma recherche d'intérêt privé, d'accord? Des intérêts propres à l'institution bancaire. En tant qu'entreprise, la banque accroît ses revenus en faisant plus de crédits. Donc, ça veut dire que je ne peux pas avoir à la fois une seule banque qui soit une banque privée, dans la mesure où là, elle a un rôle sur toute ma création monétaire et donc un rôle de cette masse monétaire-là qui va être un bien collectif. On va voir. Du coup, face à cette incompatibilité. Je résume cette incompatibilité de la sorte, je ne peux pas avoir une banque privée, d'accord? Ça ne peut pas aller avec ma une monnaie bien collectif. Ok? Il y a un problème, ça cloche. Donc, en fait, quelles sont les solutions que je vais pouvoir avoir dans ce cas-là? Eh bien, comme solution que je vais pouvoir avoir, on va avoir soit confier le pouvoir de création monétaire à une institution
bancaire public qui a son activité en tant que monopole. Donc dans ce cas-là, en fait, je résous le problème en disant non, ça devient public. Ok? Ou l'autre solution, qui me permettra là aussi de cumuler deux, c'est que si ça c'est privé, eh ben, je peux très bien introduire de la concurrence dans mon système bancaire. J'introduis donc de la concurrence dans mon système bancaire et par là même institue un mécanisme endogène de régulation de la création monétaire. D'accord ? Dans ce cas-là, c'est cette deuxième option qui va être examinée. On va mettre de la concurrence. Ok ? Alors, voilà un peu pour ces premiers exemples. Maintenant, juste une petite précision sur la théorie de la monnaie comme bien collectif. Alors, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, je ne sais pas si vous l'avez peut-être déjà fait, je pense que vous l'avez peut-être déjà fait l'an dernier en atelier, comment ça s'appelait, excusez-moi, introduction à l'économie ou quelque chose comme ça. On a plusieurs façons en économie de classer mes biens, d'accord ? Et en fait, pour classer les différents biens, on va avoir deux critères. Le critère de la rivalité ou non-rivalité. D'accord ? Et le critère de l'excluabilité ou non-excluabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ma rivalité, c'est le fait que la consommation du bien empêche une autre personne de le consommer. D'accord ? Quand je mange mon sandwich, vous ne pouvez pas le manger. Quand j'utilise ce stylo, vous ne pouvez pas l'utiliser. D'accord ? Donc, est-ce qu'il y a la rivalité sur le bien ? Ok ? Ou non ? Quand j'écoute la radio, vous pouvez très bien l'écouter, hein. C'est pas problématique. Et est-ce qu'il y a excluabilité ? L'excluabilité, c'est l'idée qu'on peut empêcher la consommation par quelque chose. En l'occurrence, c'est très souvent par le prix. Je vous exclus de la consommation par un prix. Donc, ma baguette de pain, je peux très bien en être exclu par le prix, parce que si je ne le paye pas, je peux pas la manger, je la mange pas, hein, voilà. Par exemple, si je reprends toujours mon émission de radio, alors vous allez me dire, oui, mais il vous faut une radio. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, il faut une radio, mais à partir du moment où j'ai une radio, on ne peut pas m'exclure de l'écoute de la radio. Vous comprenez ? Donc, dans ce cas-là, il y a non-excluabilité. Alors, on a différents, on les fait, ça nous permet d'avoir quatre cas possibles, d'accord ? Premier cas possible, en fait, qui est, on va dire, le plus simple, d'accord, sur lequel le marché va être va fonctionner parfaitement, ça va être mes biens privés. Hop là, privés. D'accord ? Les biens privés, effectivement, eux, pas de problème, ils sont excluables et rivaux. Mon sandwich, le vêtement que je porte, vous voyez, là par exemple un vêtement, et oui je peux vous prêter le vêtement, mais quand vous le portez, moi je peux pas le porter, d'accord ? Donc il y a rivalité sur les vêtements. Ensuite, et mon marché est tout à fait efficace. Ensuite on va avoir ici ce qu'on appelle des biens de club. Alors des fois vous trouvez des noms un peu différents, hein. Les biens de club, en fait, l'idée, c'est, par exemple, Canal+. D'accord ? Canal+, je peux vous en exclure si vous ne payez pas l'abonnement. Maintenant, le fait que vous payez l'abonnement à Canal+, ne m'empêche pas de, moi aussi, consommer Canal+. D'accord ? Une salle de spectacle, il y a une excluabilité.
et une rivalité à partir d'un, enfin, pas de rivalité, sauf à partir d'un certain moment quand ma salle de spectacle est pleine, d'accord, évidemment. Ensuite, ici, on va voir, alors, c'est un peu particulier, on va voir tout ce qu'on appelle les biens communs. Les biens communs, ça, par exemple, les ressources en poissons, les ressources forestières, ce genre de choses. C'est difficile d'en exclure les gens, d'accord? En fait, si j'arrive à en exclure les gens, alors, dans ce cas-là, je retombe sur un bien privé, lambda, d'accord? Mais toutes les forêts, les ressources en termes de poissons, bon, bah, c'est compliqué d'en exclure des gens, d'accord? Et au bout d'un moment, on peut arriver à une rivalité si on raisonne tous individuellement, d'accord? Je pêche, je pêche, je pêche, je pêche au maximum, bon, bah, à un moment, j'épuise les ressources. Donc là, sur les biens communs, il y a une problématique d'épuisement des ressources. Et enfin, on a ici ce qu'on appelle les biens collectifs. Alors, vous pouvez parfois entendre parler de biens publics. Aussi, là, les biens collectifs, ils sont non excluables et non rivaux. Donc, le problème qu'il y a, c'est, alors, par exemple, l'éclairage public. Bon, ben, l'éclairage public, si je vous dis, est-ce que vous êtes prêt à payer pour de l'éclairage public? Vous allez me dire, bah non. Pourquoi? Bah parce que moi, je n'ai pas envie de payer. Donc, je pourrais très bien, vu que c'est non excluable, si c'est fourni, j'en profiterai. Et en plus, c'est pas rival. Donc, le problème, c'est que si on raisonne tous comme ça, bah, personne ne va vouloir payer pour de l'éclairage public. D'accord? Pareil pour j'allais dire, la défense collective ou ce genre de choses. Dans ce cas-là, le bien n'est même pas produit. D'accord? Donc, ces biens collectifs, ils ont une spécificité, c'est que l'État va devoir, enfin, il est obligatoire que l'État les produise. D'accord? Alors, donc ma monnaie, elle a un caractère qui peut être ambivalent parce qu'elle est à la fois privée et collectif. Donc, en théorie économique, le concept de bien collectif renvoie à un cas typique de défaillance de marché. Par opposition au bien privatif, les collectifs sont caractérisés par, d'une part, pas de principe de rivalité. La consommation du bien par un agent économique n'empêche pas la consommation simultanée par un autre agent. Ils sont donc non rivaux. Et d'autre part, ils n'obéissent pas au principe d'exclusion par les prix. Les agents économiques peuvent accéder à la consommation des biens sans payer les prix de marché, donc non excluables. D'accord? Donc on est bien là, effectivement. Juste un truc, je vous l'ai dit, mais en fait, le marché. On sera amené à distinguer les hétérodoxes des orthodoxes. Les hétérodoxes, c'est ceux qui pensent que le marché n'est pas forcément l'instance primaire de régulation de l'économie. Là où les hétérodoxes pensent que le marché est la première instance de régulation de l'économie. D'accord? En gros, mon marché, il fonctionne très bien ici. Ok? Donc le critère de rivalité, c'est pas ce qui empêche d'avoir une bonne gestion par le marché. Qu'est-ce qui empêche d'avoir une bonne gestion par le marché? C'est le fait de ne pas pouvoir mettre de prix. Si je ne peux pas mettre un prix, mon marché est paumé. Si je peux mettre un prix comme mes biens privés et mes biens de club, là, mon marché fonctionne tout à fait très bien. D'accord? Du coup, typiquement, les infrastructures routières, la défense nationale ou l'éclairage public sont des biens collectifs. Si en toute rigueur la monnaie n'est pas un bien, elle peut toutefois se voir appliquer les deux critères qui caractérisent les biens collectifs. La monnaie comme institution est non rivale au sens où le fait que l'un agent se fonde sur la confiance dans la monnaie ne prive pas un autre agent de cette même confiance. Donc ça c'est important, c'est ce qu'on avait vu au tout début, sur quoi est-ce qu'on base la valeur de la monnaie, ben, ça, et toutes les questions qu'on a eues sur, en fait, c'est le fait que ce soit l'État qui donne sa valeur à la monnaie, etc., etc. Je rappelle les premiers cours qu'on a fait là-dessus, hein. Du coup, eh bien, dans ce cas-là, en fait, si un agent, la confiance dans la monnaie est non rivale, tout simplement. Et même au contraire, on a vu que c'était un processus cumulatif. Plus on a confiance dans la monnaie, plus la qualité de la monnaie est bonne. Donc ma confiance est un jeu à somme positive. Il n'y a pas de rivalité par rapport à la monnaie en tant qu'institution. Et ma monnaie, de ce point de vue-là, va être non excluable.
dans le sens où il n'est pas possible d'exclure par un mécanisme de prix certains agents de la communauté de paiement. Si la confiance en la monnaie est forte, tous les agents profitent de cette monnaie gratuitement. D'accord? De cette confiance, excusez-moi, de cette confiance gratuitement. En revanche, effectivement, bien entendu, la monnaie en tant qu'actif sur lequel s'exerce un droit de propriété, donc c'est-à-dire la monnaie, celle qui est sur mon compte là, les 100 000 euros, alors là, ça c'est de la monnaie, là on est dans mon bien privé. Pourquoi? Bah, parce que donc j'ai un droit de propriété, donc c'est un bien privatif. En effet, si on considère le volume de monnaie qui est la propriété de mon agent non financier 1, les 100 000 euros, celui-ci est effectivement rival et excluable. Cet avoir n'est pas la propriété simultanée d'un autre agent non financier, et la banque a bien consenti l'octroi de crédit à cette entreprise et pas une autre. D'accord? Mais dans le même temps, ce bien privatif fonde sa valeur sur la confiance collective qui lui est conférée. D'accord? Confiance collective sans laquelle la monnaie est, excusez-moi, ne peut exister. C'est ce que Michel Aglietta appelle l'ambivalence de la monnaie. Cette ambivalence de la monnaie, c'est à la fois que c'est un bien qui est privé, mais qui est aussi un bien collectif. D'accord? Donc, vous avez compris un petit peu, j'espère, cette création monétaire qui est la version la plus simple, hein, évidemment. Cet aspect de création monétaire dans le cadre d'une seule banque. OK? Et donc, on va donc, dans une vidéo suivante, parler d'un modèle avec plusieurs banques. Je vous remercie.